depuis mercredi soir, il y a des informations qui ont circulé qui ont dit que des soldats étrangers, particulièrement des soldats dominicains, qui foulaient le sol national noir avec Zamyo Nameyo en bas couverture, aide que vous apportez par le peuple haïtien. Nous-mêmes, comme responsables en dans le Sénat, président vice-commission justice, sécurité, défense nationale, là, nous avons profité de l'information circulaire pour nous poser des questions à le ministre intérieur là et le premier ministre là, pour demander est-ce que le cas dit nous combien de soldats étrangers après ministre qui sont sous territoire nous là. Ils te répondent, ils disent que 100 soldats américains, il y a un général colombien et ils ne connaissent pas l'autre soldat qui est sous terrain. Nous-mêmes, quand nous travaillons pas, nous connaissons, il y a plus de 30 pompiers français qui sont sous terrain. Il y a un soldat dominicain que ils disent qui est sous terrain. Nous connaissons le pays d'Haïti à traverser un moment vraiment difficile. Côté population, li aux abois. Côté population en grand goût, côté population a fait face à des catastrophes naturelles qui parfois voulaient même porter ville à aller. Cependant, nous avons un pays à diriger. Les dirigés par trois pouvoirs. Pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là et pouvoir judiciaire là. Nous estomaqués. En tant que sénateur de la République, et là-dedans, deux soldats que nous ne pouvons pas ça, nous régler, les nous ne pouvons pas côté aller, et parmi eux, soldats dominicains. Nous avons parlé, on fait, mettre devant rapidement. Ministre et premier ministre ont dit, pas gagner un soldat dominicain sur terrain, nous-mêmes, nous avons cherché information au niveau commission justice, sécurité, défense nationale. Là. Nous te connaissons un soldat dominicain avec ZAM. Hier, nous étions devant Brasserie Nationale, devant la couronne. Avec ZAM, nous campions, c'est le monde qui a fait circulation. Et matin, sénateur, Yuri La Tortue, te dépêché dans la base côté Audi Monsieur E de la marine. Et n'était-ce pas qualité de militaires que le dégayé, le sénateur La Tortue, monsieur Dominique Eot a interdit l'entrée en dans la marine. Jean président commission dit matin Léot a parlé de présence soldats dominicains ici. Moi j'ai pensé que c'était important pour le vérifier. Et comme de fait à côté de la marine côté que compagnie CA hier et bien là nous arrivé porte à la fermée, il y a 5 soldats dominicains qui étaient en faction. Et justement, moi rentré dans la base là, et moi toute en activité militaire côté un peloton, hein, dominicain, qui là, major, colonel, il y a tout dans la base. Donc, moi vérifié pour commission que, eh bien, soldats, officiers dominicains, ils sont présents. Et là, je me demande qui est-ce qui va au base là. Il y a l'impression que vous choisissez là, vous venez. Vous choisissez là, vous venez. Donc, et moi-même, comme militaire, moi j'ai l'impression que c'est un peloton qui est détaché, vient préparer la base là pour que Dominicain. Donc, premièrement, nous voyons que Jean-Président de la Commission se dit menti qui baille au niveau du gouvernement, parce que vous avez dit par un soldat dominicain. Mais deuxièmement, je m'a dit que par rapport à Iswan, par rapport à ça nouyé, moi crois que justement ça étonné pour moi, c'est même monde qui demandait pour retirer l'armée d'Haïti, même monde de tendance idéologique qui jodi a fait soldat dominicain rentrer dans le pays. Donc là où tu retires l'armée d'Haïti, c'est que tu as une intention pour dominicain de rentrer dans le pays. Comme de fait, il rentre. Cyclone ça, c'est un cyclone qui passait presque dans la violence de nos catégories 5. Côté que il dévasté, il détruit à peu près 90% à 95% et des villes ça qui c'est Anse de Nolezioa. Par exemple, c'est ça qui fait tout
gen des monde qui a parlé, nous rencontré avec presque tout le monde dans la population après ouragan, de mettre bot dans la pile, d'écraser rap côté que m'aller mal loin yo, moi côté gen monde qui mouri, moi qui j'ai mouri et comme ça tout gen monde l'en lever le matin, m'était obligé prendre un flyboat et passer par la mer côté que choléra te commencé par dévaster tu commencé par tuer mon en bas nous t'es obligé aller Jérémy côté me faire tentative moi t'ai joindre et quelques médicaments pour me porter pour mon yo et puis me faire quelques tentatives tout me quelques bouteilles de l'eau quelques sacs de riz pour me gantan aller aider mon yo parce que action li plus important que parler mais quand il s'agit de river là pour nous parler faut que nous vienne dire côté que ville nous vraiment vraie ville nous en se nous qui c'est avec les Iwa que yo détruit faut que nous reconstruire cependant reconstruire comme bagage c'est momentum lié pour le moment ça nous besoin manger nous besoin de l'eau pour nous parce que l'arrivée dans milieu rural là par exemple son côté qui facilement c'est la monde nous c'est que mon yo gen moun acti mon yo c'est la trou roche à vivre pour le moment côté que gen petit moun nan tout radi aller Freddy gen Freddy tué yo gen ti moun nan te ka sauver mais le lendemain yo mouri c'est parce que li prend trois Freddy pour la nuit là et cyclone nan te vin passer juste dans 1 heure l'après-midi encore ça fait que moun yo obligé pas ka kembe gen pile moun ki mouri gen moun ki mouri tout c'est bois qui tombé sur yo gen moun ki mouri c'est cal qui tombé sur yo donc momentum nous venons aujourd'hui à m'inviter tout le monde dans la population même le gouvernement tout qui est responsable pour yo intervenir dans zone ça yo pour capoter manger avec l'eau pour nous par exemple pour nous à mon vin pas camper encore yo faible yo faim yo pas camper notamment dès que pour gouvernement au moins t'envoyer un hélicoptère rapide pressé tant pour même t'a dit avec gouvernement le président privé hier soir pour que il y a là de manger à même dans zone même si hélicoptère pas descendre mais depuis un hélicoptère lagué il y a pour regarder ça qui ça au côté et cependant tout forme tout ça zone ça c'est zone qui très reculée c'est que gain en pile rivière là mon pas qu'à traverser rivière là pour descendre monde qui réussit descendre là faut que c'est un grand nageur pour que il arrive dans la ville là et malgré arriver dans la ville là il y a un seul monde qui s'al capoter pour la aider leur population yo en l'air pour survivre deuxièmement on dit deuxièmement mes conseils n'a pas de population pour président tout capitaine de nous gouvernement capitaine de nous nous demander gain des actions qui ca prend en pile temps avant le faire mais comme ça pour gain action c'est pour commencer faire à l'instant même pour nous porter un démenti formel à information que le gouvernement gagné qui t'a fait comprendre camion El Shaddai pendant le temps Jérémy il t'a pillé dans la commune Beaumont hier on quittait Beaumont vers 11h30 ça va te faire et tout de suite là on fait pas communication avec mon Beaumont ça va te faire et le président dit ça moi relé magistrat communal là encore hier soir qui dit que pas de question pas de bail pour ça camion El Shaddai ta et pillé Beaumont il est important pour nous porter précision ça parce que Beaumont pas de réputation une zone qui connaît violence Beaumont c'est un côté qui est beaucoup plus et pacifique. Ça va faire partie vraiment du tempérament de Beaumont pour ta. Et piller un camion qui a porté aide humanitaire dans le reste du département. Cependant, que nous avons toujours demandé pour une séparation pour le fait de façon beaucoup plus efficace avec beaucoup d'intelligence. Parce que lorsqu'on passe du chuti avec pour manger, on prend le Jérémy, on prend du chuti. Dans le département, on prend Beaumont, on prend Cavouchal, on prend Ozo, on prend Bali dans ville Jérémy. Parce que c'est ville Jérémy, on pensait qu'on allait retourner voir là-bas. Donc, normalement, côté mon yo vraiment grand goût. Et je pense que nous devons éviter ça dans la distribution pour nous connaître. Si on mange pas du Chiti, il n'y a pas besoin de San Pistel pour tourner du Chiti, il n'y a pas besoin d'entrer Jérémy pour tourner du Chiti. Or, si nous faisons pour ça, et pas même des suspicions pour que nous quand même imaginer. Il y a un côté paisible dans le Beaumont qui a répillé un camion pour lui capable de gérer la tête pendant qu'il reste département dans le problème. Deuxièmement, nous voulons attirer l'attention de tous les acteurs, l'État central, ONG, via l'État central là pour nous dire, surtout le ministère des Affaires étrangères qui vient pour le produit des mandiots, n'a pas aidé à et le ministère de l'Intérieur qui a coordonné la distribution à travers la collectivité, à travers la protection civile, et le ministère de la planification lui-même qui a coordonné, qui a fait liaison. Tout comme n'a pas été le ministère de la Santé, nous voulons attirer l'attention que
ça qui passe là, cyclone Matthew, il est différent de. Il n'y a pas même bagaille avec 12 janvier. 12 janvier, tu écrases tout le en béton. Cyclone Matthew, écrases tout le tol. Haïtien, Haïtien, nous comprenons très bien qui est-ce qui habite dans le gros building plus, qui est-ce qui habite dans le Kaitol à Kajoupa plus. Donc c'est normal que 12 janvier pour être là, tu es concentré dans Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince est plus qu'un béton, pour être là, tu es concentré dans plus dans Grande Ville, parce que Grande Ville, il y a plus qu'un béton qui t'écrase. Cependant, dans le cas cyclone Matthew, ce qui passe là, c'est Kajoupa qui allait. C'est Kaitol qui est calé, c'est Jade Agriculture qui finit net, c'est déboisement, qui donc il y a un secteur dans le pays ça, qui est victime plus de cyclone ça, de ouragan ça, qui c'est secteur paysan, qui c'est les gens qui vivent dans une zone qui est plus reculée, les gens qui sont dans la tête de les gens qui descendent marcher pour gérer le nouveau pour monter là, il faut faire 4 heures de marcher. C'est mon Perrier, c'est mon Saint-Martin, mon Beaumont, mon Dumois, c'est eux qui se frappent. Donc, il faut que nous ayons une politique qui, faut que nous définissions un mécanisme qui permette d'aider ça à arriver directement sur les gens qui plus touché de ouragan ça. Nous pensons que le cyclone a vraiment les combats qui ont été le problème. Mais pour mon machin, je dis, nous croyons que 7 octobre, pour tout Haïtien, pour tout compatriote, pour tout Haïtien natif natal, pour tout le monde qui croit dans la période, père patrie, et qui comprennent que l'importance que ça a dans l'histoire, nous, et nous connaissons que 7 octobre, en pile question à poser. Et d'après ça, nous-mêmes, nous jouons dans le bureau, nous, nous apprenons que pas de pièce cérémonie officielle, machin de Saline, 7 octobre. C'est un bagage qui soulevait tout le monde, machin. Et moi, je crois que c'est un bagage qui soulevait tout Haïtien. Tout. Parce que nous comprenons qu'il y a des problèmes vraiment en Abéyan. Nous comprenons qu'il y a des problèmes. Nous comprenons que le côté culturel là, il est capable de diminuer. Mais le côté officiel là, il est supposé respecter parce que son date qui doit respecter en Abéyan. En fait, nous-mêmes, nous croyons que si le gouvernement attend de nous là, nous croyons qu'il attend de nous garder nous. Mais dans notre machin, dans notre haïtien, tout le monde qui connaît l'histoire, il faut accepter ça pour que officiellement, pas gagner un tête de homme pour commémorer. Son décision officielle que le gouvernement prend. C'est une décision officielle que le gouvernement prend. C'est officiellement le prend. Et nous-mêmes, nous comptons. Et nous croyons que tout machin compte lui, c'est tout pays qui compte lui. Et parce que il n'y a pas qu'à faire un bagage comme ça, c'est un bagage, il n'y a pas qu'à abolir. Parce que un bagage qui existait, et moi crois que c'est inacceptable et pas de monde qui a accepté. On le fait encore. C'est une violation. C'est violer que le gouvernement doit le faire encore. Il montrer que. Et peuple haïtien, que vous mettez respect pour le peuple haïtien.